Les data centers en Île-de-France représentent un enjeu énergétique très important, car d'après la préfecture Île-de-France, ces sites industriels vont mobiliser 3000 MW électriques de puissance énergétique supplémentaire, ce qui représente à peu près entre 2 et 3 réacteurs nucléaires. Et les data centers vont mobiliser un tiers de cette nouvelle puissance à l'horizon 2030. À l'instar des data centers de Google, nos données informatiques transitent chaque seconde par des milliers d'ordinateurs interconnectés dans un même lieu. Le problème avec les data centers, c'est qu'ils concentrent beaucoup de machines, donc on consomme beaucoup d'énergie pour les refroidir, et il y a de plus en plus de data centers, donc ça pose un véritable problème écologique. Le projet Trigénie est une idée initiée par GRDF Île-de-France pour alimenter les data centers. Il consiste à soulager les réseaux électriques en Île-de-France qui ont dans certaines zones des contraintes de saturation. On est donc dans une dynamique de smart grid, donc d'interconnexion des réseaux énergétiques entre eux, avec le réseau gaz naturel qui alimente le data center, le réseau électrique qui peut intervenir en complémentarité et les réseaux de chauffage urbain également qui peuvent être interconnectés au data center. Sur le réseau de gaz naturel, nous allons de plus en plus injecter du biométhane, donc du gaz produit à partir des déchets de la collectivité, pour verdir les usages du gaz naturel et donc des data centers.